emoziono, guarda, mi emoziono, sono emozionato perché tutti questi applausi mi fanno molto piacere, comunque come potete immaginare, perché insomma non è tanto ricordare Pierpaolo, perché è inutile stare lì a ricordare Pierpaolo, perché tutti conoscono Pierpaolo, tutti sapevano che era Pierpaolo, e come già è stato detto non si sta qui per ricordare i 100 anni della nascita di Pierpaolo, ma bensì parlare di lui, della persona. Per me questa qui è una cosa importante, non parlare e ricordare Pierpaolo per quello che è successo, perché mi sembra superfluo, mi sembra una cosa un po', insomma, alquanto triste, quanto era triste a me, quanto lo era triste anche a Pierpaolo, parlarne di persone che muoiono e non ci sono più. Oh, scusa. Ça commence super bien. Ah, merci à tout le monde en fait de cet accueil, ça a été agréable. Si vous voulez traduire pour moi, il y a aucun souci. En fait, il faut dire que Ninetto parle français, comprend français en fait. Hein. Il est très farceur, donc je pense que ça va être une masterclass plutôt amusante, voilà, pour tout le monde. Donc merci à tout le monde, merci pour cet accueil, c'est très émouvant d'être ici dans dans le lieu de la naissance du cinéma, notamment dans les jours du centenaire de la naissance de Pierpaolo. Je ne voulais pas en fait un centenaire et le fait de fêter la naissance de Pierpaolo, que ce soit un centenaire triste, mais un centenaire joyeux, parce que lui, il était comme ça. Je pense qu'il ne serait pas intéressant de rappeler ce qui s'est passé en fait, parce que je considère ça un peu inutile, mais j'aimerais beaucoup qu'on parle de lui, de cette personne, de sa pensée, de ce qu'il avait fait, donc de ses films et ses œuvres en fait. Donc je pense qu'il faudrait concentrer sur cette personne, sur lui, sur plus que sur les événements qui sont passés, les événements tristes. Ça, je ne pourrais pas parler. Et io non so quello che ha detto, comunque vabbè, non so che ha detto. Vabbè, diamola per buona. Allora, non siamo qui a tristirci per l'evento, stiamo qui, raccontiamo di Pierpaolo. Allora, quello che voglio dire, intanto, per me Pierpaolo è stata una persona importante nella mia vita, perché ho conosciuto Pierpaolo che ero bambino, avevo 16 anni, e per me la conoscenza, l'incontro con quest'uomo è stata per me una cosa meravigliosa, una cosa bella perché mi ha stravolto la vita, ma non caratterialmente, ma ha stravolto la vita proprio per formare Ninetto, quello che interiormente era Ninetto. E per me Pierpaolo è stato quello che mi ha fatto esternare quello che io avevo dentro di me, dentro le mie angosce, dentro i miei pensieri, perché io ero un ragazzo che vivevo nelle periferie romane, nelle borgate, come l'ha descritto Pierpaolo, e insomma ho vissuto una vita da ragazzino, da bambino, veramente da povero ragazzo e povera famiglia, perché eravamo in 6, nella mia famiglia, lavorava solo mio padre, e vi dico che mio padre ha fatto tanta fatica per far crescere questi ragazzi. Io vengo da questa famiglia povera, e devo dire che l'incontro con Pierpaolo è stato fatale per me, fatale perché quest'uomo mi ha messo nel mondo, diciamo così, come si suol dire, artistico, che poi per me non è artistico, per me è essere me stesso, ma io parlo troppo, no, per qua, perché poi se mi fissino per lui a tradurre, sì. Ma comunque un po', capite l'italiano o no? No, l'italiano. Comprendo l'italiano? No. Allora, ci parlo in francese, qui. Allora ci dico. Allora, ritorniamo a quello che stavamo dicendo. Cioè, per dire... Ah, scusa.
pense que la masterclass va se dérouler complètement en italien, entièrement en italien. Donc, c'est pas une raison pour s'attrister de se rappeler de ce centenaire et de penser à ce qui s'est passé, mais de fêter en fait cette personne, une personne qui était un ami, un partenaire, qui a été une véritable rencontre bouleversante de ma vie. Quand j'ai rencontré Pier Paolo, j'étais très jeune, j'avais 16 ans, et ça a été un véritable bouleversement de ma vie. Mais pas un bouleversement au niveau caractériel, un bouleversement vital, okay, au niveau de toute ma vie. C'est ce qui m'a apporté, ce qui m'a permis de découvrir de moi-même, ce qui m'a apporté aussi comme connaissance, ça a été incroyable. Pier Paolo, le rôle qu'il a eu dans ma vie, c'était de permettre d'extérioriser en fait ma personne, mon caractère, ma personne, ma vie, mes envies, mes désirs. Et c'est grâce à lui en fait que je suis devenu la personne que je suis en fait. Et quand j'ai rencontré Pier Paolo, j'habitais dans une bourgade, dans la banlieue de Rome, dans les bourgades romanes. On était dans une famille composée par 6 personnes. Il n'y avait que mon père qui travaillait. On était une famille pauvre en fait. Et mon père a beaucoup beaucoup travaillé en fait pour permettre à toute la famille de se nourrir. Et après, bah, tout le reste avec les blagues, tout ça, je laisse tomber. Voilà, Il a dit, ça va être très compliqué pour vous de traduire, je peux parler français, vous comprenez le patois, on peut continuer le patois. Ouais. Alors, che dici? Ci sediamo o vuoi rimanere in piedi? No, come volete voi. Ci mettiamo in piedi. Ci sediamo, ci sediamo. A tutto questo che io ho detto, ma non è tanto, diciamo, aver risolto la mia vita, aver conosciuto Pierpaolo, non è stato questo qua, a livello, diciamo, come si può dire nella parola più volgare, per quanto riguarda i soldi, non è questo. A parte questo qui, ma per me è stato importante aver conosciuto Pierpaolo, aver cercato di comprendere da ragazzino, cioè, l'idea di quest'uomo. E devo dire che io sono entrato nella sua vita, come lui nella mia, perché mi ha messo di fronte a delle evidenze che io onestamente da ragazzino non ci avrei mai pensato. Però devo dire, parlare con lui per me è stato fondamentale, perché sai, scoprire una persona dove delle volte io discutevo anche con Pierpaolo di fronte a dei problemi, che lui, di fronte a delle poesie che lui scriveva, quando scriveva nel Corriere della Sera, quando si pronunciava su certe poesie che io ero contrario, ma abbiamo discusso tante volte con Pierpaolo. Però poi alla fine, io non so perché, ma Pierpaolo poi veniva sempre alla ragione, giusta. Non lo so perché. Cioè, quando nel 68, mi pare, la cosa degli studenti, 68, allora scrisse quella poesia, no? Scrisse un pezzo che in pratica lui denunciava questi studenti, no? La carica di poliziotti, e devo dire che la mia prima reazione allora è stata un po' violenta nei riguardi di Pierpaolo, perché dico, ma Paolo, come cazzo fai? Ci stanno i bambini, come cacchio fai? E lui dice, Ninetto, ma non deve reagire così, perché fammi spiegare. Ho capito, ma tu Pierpaolo, ma tu stai dando ragione ai poliziotti. Sì, ma aspetta, Ninetto, ma come faccio a aspettare? Tu stai dando ragione ai poliziotti. Quando allora si pensava che i poliziotti facessero delle violenze contro i studenti, contro... E lui mi diede una ragione. Mi disse, Ninetto, dice, ma tu rifletti un attimino. Dice, ma i poliziotti chi sono? Cioè, sono i figli dei contadini che vengono qui perché hanno un lavoro fisso. Sono i papà di questi ragazzi borghesi che tu odi, e io onestamente non mi piacevano molto, perché forse per invidia, non lo so, ma io ero contrario a certe idee di certi ragazzi di allora. No, io questo devo... Ma come devo...
Era avvertito comunque Fabrizio. Scusate, io poi quando parlo di Pierpaolo mi accaloro molto. Mi piace raccontare perché poi se io mi fermo, mi interrompo il discorso. Vai Fabrizio, vai. Tu veux voir un tout petit peu, merci. Je parle de la fin, quand il disait justement désolé en fait pour être aussi bavard, tu vas avoir quelques petits problèmes pour traduire, mais moi je suis comme ça, donc quand je parle de Pierpaolo en fait je me chauffe immédiatement, c'est quelque chose de très émouvant et très important pour moi, donc je vais parler du fond de mon cœur de Paolo, donc j'ai pas de limites, et je pense que ça on a tous remarqué. Si je peux me permettre une petite réponse, ci rendiamo conto che ti scaldi subito mentre parli di Pierpaolo. Reprenant du début, en fait, la rencontre avec Pierpaolo a été résolutoire, dans le sens où elle m'a permis de voir quelque chose que je ne voyais pas, qui était là, voir des choses dans les choses. De me permettre d'enlever en fait le voile qui cachait ma vision des choses. C'est pour ça que ça a été aussi une rencontre révélatrice qui a permis justement d'enlever ce voile et de me permettre de voir certaines choses. Ça a été une rencontre véritablement importante. Rencontrer Paolo, le connaître, m'a permis de mettre face à mes propres responsabilités et à mettre face à des connaissances que je ne pouvais même pas imaginer. Discuter avec lui, ça a toujours été quelque chose d'exceptionnel, de très formateur. Quand je dis discuter avec lui, c'était parler de la vie de tous les jours, des événements, parler de la poésie, de la littérature. Pierpaolo me parlait beaucoup de littérature, il me lisait beaucoup de poésie. Il lisait aussi des articles, ou il écrivait des articles, notamment dans le Corriere della Sera. Et parfois, je n'étais pas d'accord avec lui, je n'étais pas du tout d'accord avec lui, notamment une fois, quand il a écrit cette fameux article en 68, contre les étudiants, et à faveur en fait, de la charge des policiers qui chargeaient les étudiants en Italie. Et moi, je me dis, mais. Come cazzo fai? Non devi dire così. Non si dice come cazzo fai, come cacchio fai. No. Il faut aussi respecter en fait le mot. Si l'artiste se permet justement de s'exprimer de cette façon, il faut respecter cela. Come cazzo fai, je pense qu'on a tout compris. Mais pourquoi, comment tu fais pour dire certaines choses, d'écrire certaines choses? Ça a été un véritable bouleversement pour moi de lire cet article. Et lui, encore une fois, comme toujours, il avait toujours raison en fait. Il m'expliquait, il m'amenait en fait à la fin de sa pensée. Il me permettait justement de comprendre, il avait toujours raison. Et là, il m'a expliqué mais pourquoi il avait écrit cet article. Il m'a dit... À l'époque, moi, je pensais que les policiers, c'était justement les personnes qui portaient violence envers les étudiants, c'est qui battaient les étudiants pendant les manifestations. Et lui, il me disait, mais les policiers, ce sont les fils des paysans. Donc, ce sont des fils des prolétaires qui viennent de la campagne. Ce sont eux, véritablement, les vrais prolétaires. Et donc, encore une fois, même si... au début, j'étais contraire à ce qu'il venait de dire, en fait, encore une fois, Paolo, il avait raison. Ecco. Ci tengo a dire una cosa, Inetto. E io non ho finito. vuoi cominciare? No, vai. Ok, io ci tengo molto a dire questo. Ieri sera abbiamo visto con Inetto I Ferri di Mille una notte e c'è stata questa magnifica presentazione. E ci tengo a dirtelo perché in questi giorni mi è sembrato di comprendere anche attraverso di te delle cose che fortunatamente possiamo ancora vivere, ma che forse stiamo perdendo. L'avere te qui e avere un po' di quella innocenza e purezza che mancava tanto a Pierpaolo Pasolini, ma che manca ancora tanto adesso,
E quindi ti volevo anche ringraziare pubblicamente perché in questi due giorni c'è stata una sorta di epifania e quindi grazie. Grazie a te, grazie a voi. Ma io dico questo qua che scusate se la prendo in questa maniera, ma io non voglio parlare di Pierpaolo con tristezza, no, perché come ho già detto prima lui non avrebbe voluto. Io sono convinto che Pierpaolo riderebbe come un pazzo a vedermi qui parlare di lui in questo modo. Poi andiamo avanti. Comme j'ai dit tout à l'heure, en fait, je voulais pas parler de Paolo en termes tristes et de fêter en fait son centenaire de la naissance dans des termes tristes. Je pense qu'il aurait bien profité, bien aimé en fait ces moments. Il aurait beaucoup rigolé à cette présentation et à ce que je viens de dire. Irénée pose une question, plus qu'une question, c'est une remarque très douce par rapport à la projection d'hier soir. En fait, hier soir, au cinéma Zola, Ninetto et Irénée ont présenté Il Fiore delle Mille e Una Notte, Les Mille et Une Nuits, un film extraordinaire. Et il me semble, Irénée dit, il me semble d'avoir compris quelque chose qu'on est en train de non seulement de perdre, mais d'oublier. Donc on a déjà perdu ça. Donc la pureté, la naïveté, la simplicité que Pasolini aimait tant chez toi et que tu m'as permis de redécouvrir encore une fois. Donc je voulais te remercier du fond de mon cœur pour cela. Alors, quello che volevo dire, che lei m'ha interrotto. Alors, ce que je voulais dire, mais elle m'a interrompu en fait, elle m'a coupé la parole. Volevo dire che malgrado dico che io e Pierpaolo ci abbiamo avuto spesso delle contraddizioni perché io, ripeto, venivo da un altro mondo, insomma, anche se caratterialmente io ero così come se l'immaginava Pierpaolo. Ma poi tra me e Pierpaolo è nato una specie di, non so, sono rimasto folgorato, affascinato da quest'uomo. E perché? Perché io non riuscivo a capire, perché poi quando io andavo con lui a accompagnarlo quando faceva delle conferenze, io mi rendevo conto che quando c'era qualcuno che lo provocava, Pierpaolo con una flemma, con calma, con educazione, con la sua cultura, riusciva, non so perché, ma a sminuire il violentatore che l'accusava nelle conferenze. E io mi chiedevo, dico, ma quest'uomo, ma che c'ha? Io non capivo, perché è possibile che quest'uomo c'ha? Ogni volta trovo sempre la motivazione, la ragione per avere ragione. Non capivo questa cosa qua. Però piano piano io mi rendevo conto che quest'uomo c'aveva una forza interiore che andava dal di là di quello che stava succedendo e che succedeva al momento, e quello che è l'andazzo della vita in corso. E Pierpaolo vedeva contraddizioni su tutto. Io non so perché, contraddizioni su tutto, sui politici, sulla borghesia, su, diciamo, scrittori, poeti, ma c'aveva un suo modo di essere che a un certo punto diventa anche una certa forma di violenza. E io non riuscivo a rendermi conto. E poi piano piano riesci a capire che questo uomo qua va contro un sistema, contro quello che è sbagliato. E aveva ragione. Che noi siamo una massa di persone che siamo, in un certo qual modo, quando ne parlò Pierpaolo 50 anni fa, 55 anni fa, e oggi ti rendi conto ancora di più di quello che lui ha detto allora. Cioè che noi siamo una massa di gente corrotta, e noi appresso un sistema imposto che non è nostro.
E Pierpaolo andava contro questo sistema che tutti quanti noi andiamo appresso. Cioè siamo diventati un po' come dire, diceva Pierpaolo, siamo diventati tutti, siamo omologati tutti. Siamo tutti dei soldatini che ci dicono quello che dobbiamo fare. Quando uscì la televisione, quando è nata la televisione, Pierpaolo dice, ma che bello, dice che hanno inventato questa piccola scatola dove puoi trasmettere delle cose. È stata una cosa meravigliosa. Pierpaolo dice, ma che bello, cioè che la gente può capire... Fabri, che devo fare? Che devo fare? No, io vado avanti. No, tu ti arretta. Scusami. No, no. Parla. Io non penso che lui deve tradurre, non ci penso, mi scordo. Dobbiamo. En fait, il a oublié qu'il y a un traducteur que je dois traduire, donc il se laisse aller. Mais cela, en fait, on l'a remarqué au début, c'est quelque chose d'extraordinaire, donc on le laisse. Je vais tenter d'essayer de résumer tout ce flot de mots. Il y avait beaucoup de contradictions, il y avait beaucoup d'échanges, et il y avait beaucoup de différences entre Pierpaolo et moi. Pierpaolo et moi, on était deux personnes très, très différentes, on appartenait à deux mondes opposés. Et malgré ça, en fait, ma rencontre avec lui m'a permis d'être devant cette personne, devant cet homme. Donc je l'aimais depuis le début. Et par exemple, quand je l'accompagnais un peu de partout, notamment aux conférences. Quand il y avait des conférences dans le monde, je l'accompagnais et je voyais qu'il y avait des personnes dans l'auditoire qui posaient des questions et parfois de façon très violente et qui s'opposaient en fait à sa pensée et qui l'accusaient souvent en fait de quelque chose. Et c'était incroyable pour moi d'assister à sa réaction, comment Pierpaolo en fait réagissait à ces questions violentes, à ces accusations, avec son côté pragmatique, sa calme, sa culture, son intelligence permettait de détruire l'accusation que la personne venait de lui faire. Et moi, je me posais la question, mais qu'est-ce qu'il a cet homme-là pour arriver à avoir toujours raison, en fait, à détruire ces accusations si violentes que souvent, en fait, ils sont envoyés contre lui. Moi, je pense que la réponse est dans la force intérieure. Cet homme avait une force intérieure qui allait au-delà de tout, au-delà de tout ce qui était de l'ordre de la vie qu'on voyait tous les jours, de la vie quotidienne, en fait. Et c'était quelque chose qui allait au-delà de ça. En même temps, en fait, Pierpaolo voyait des contradictions de partout. Il voyait des contradictions dans la politique, chez les politiques, notamment les bourgeois aussi. Mais aussi tout ce qui était de l'ordre de la culture et des intellectuels, des poètes. Il voyait toujours en fait des contradictions. Et sa façon d'être, d'écrire, de s'exprimer, c'était aussi de l'ordre de la violence, avait quelque chose de l'ordre de la violence en fait. Mais pourquoi en fait? Parce qu'en fait il s'opposait à un système. Il s'opposait à un système que lui il voyait et nous on ne voyait pas. Ce système qui était mauvais, qui n'était pas bon. J'ai toujours eu l'impression, en écoutant Pierpaolo, qu'il décrivait nous, les gens, le peuple, comme une foule de personnes corrompues. Mais corrompues par quoi? Par ce système qui était corrompu, et on ne le voyait pas. On suivait ce système, et on le suivait comme des petits soldats, des moutons. Notamment en ce qui concerne l'invention de la télé, hein, la découverte, l'invention de la télé. Et la première fois que Pierpaolo en a parlé, c'était « Waouh, quelle merveille, en fait, quelle invention géniale, en fait, ça va permettre à tout le monde, à nous, aux gens, en fait, de découvrir plein de choses. » Et là, après, c'est interrompu. Allora Pierpaolo diceva che meraviglia, che bello.
questa creazione di questa scatola, la TV, la televisione, è bello. Però poi successivamente, subito, dopo qualche anno, dirò, cioè credendo che Pierpaolo sta televisione la sfruttassero in un modo, diciamo, adeguato, diciamo, con una certa, non dico con una certa cultura, voglio dire, no, raccontare, dire alla massa delle cose intelligenti, non so, insomma, che la usassero per questa maniera. Invece no. Pierpaolo è rimasto molto deluso ed era sempre stato deluso fino all'ultimo momento. Deluso sempre perché comunque la televisione è stata una di quelle che a noi tutti, ci ha messo in condizioni di seguire quelle stronzate che sono tante, le stronzate che ti propone. Perché le cose intelligenti in televisione ne fanno ma pochissime. Ma perché? Perché? Ma io prima parlavo di poeti, diciamo, di scrittori, di poeti, cioè perché non, diciamo, hanno fortuna a fare delle cose, diciamo, alla massa, perché sono cose che si vendono. Le cosiddette film o libri, diciamo, quelli commerciali. Perché è facile. Ma io, secondo me, tanti scrittori, per esempio, avrebbero da dire delle cose magari intelligenti, ma non lo fanno. Perché? Perché non lo fanno? Perché se fanno quello che faceva Pierpaolo, li mettevano da parte, li evitavano, li annullavano. Allora uno scrittore o un regista, anche oggi, diciamo, in Italia, in tutto il mondo, che fanno quel cinema che piace alla massa. E quello che interessa poi che cos'è? Il dio denaro. E questo qua è una cosa che Pierpaolo non l'ha mai considerata. Cioè Pierpaolo non è che faceva dei film perché dice, ma sai, poi questo film e poi si incassa e diventiamo ricchi. No. No. Pierpaolo faceva un film perché credeva a quello che faceva. Cioè Pierpaolo l'ha sempre detto anche lui, che cioè lui invece di scrivere un libro faceva un film e cominciò qua a Cattone. Lui prima scriveva, poi ha detto no, voglio che il mio scritto diventa visivo. Ha cominciato a fare a Cattone, poi Mamma Roma, poi il resto, tutte le cose. Cioè voglio dire che per Pierpaolo questo qui era un modo peraltro per dare non lo scritto ma l'immagine di quello che lo scriveva. Rappresentare quello che lui voleva e quello che il suo pensiero. E che ha fatto? Lui scriveva sempre le sue idee. E guarda caso, cioè ogni film che ha fatto Pierpaolo contro il sistema è stato sempre denunciato. Sempre. Su ogni film. Ogni film è stato denunciato Pierpaolo. Perché Pierpaolo era quello che aveva il coraggio di dire quello che pensava. Non era un ipocrita, non era un convenzionale Pierpaolo. E questa qui, secondo me, è stata una delle forze, lei è la forza proprio, ma la forza dell'uomo che aveva un coraggio da veramente da vendere. E se vi dico che Pierpaolo in tutto l'arco della sua vita ha avuto 32 denunce, 32, e poi alla fine tutte queste denunce sono state assolte, è stato sempre assolto perché non c'era nulla di, diciamo, non c'era una motivazione per condannarlo. Ma 32 denunce su ogni film, ogni libro, ogni cosa, ogni cioè, 32 denunce, leggete, perché sta su tutti i social, volete leggetelo, 32. Ma si può denunciare una persona, ma la nona volta l'hanno denunciato, che lui andò a trovare un amico a Circeo. Al ritorno, la notte, per andare a casa, si ferma un benzinaio per fare benzina. Mette benzina e se ne va. Questo benzinaio ha denunciato Pierpaolo dicendo che
questo signore, che era Pierpaolo, entrò dentro il gabbiotto dove stava il benzinaio, si è presentato lui con un cappello nero, con una pistola, ha messo un proiettile d'oro, l'ha minacciato e gli ha levato i soldi. È stato denunciato, ma poi in realtà ha detto tutte stupidaggini perché non era vero. Cioè, per farvi capire... Come faccio? Come faccio? Aiuto! Aiuto! Tu non mi aiuti. Io mi scordo. L'invention de la télé pour Pierre Paolo était une véritable découverte et il avait beaucoup de confiance dans cet événement. Et quelle merveille en fait cette boîte, parler de boîte. Quelques années plus tard, il s'est rendu compte que finalement cette boîte, cette possibilité n'avait pas été, on n'avait pas profité comme il fallait de cette invention en fait. Il était très déçu, il se rendait compte que cette boîte ne disait pas des choses intelligentes aux gens, au public. Il a toujours été déçu, Pier Paolo, de la télévision jusqu'à sa dernière minute. Il n'arrêtait pas de répéter, je suis déçu, je suis déçu, je suis déçu. La télé, et je suis d'accord avec lui, nous apprend quoi en fait la télé ? Nous apprend un tas de conneries. Un tas de conneries qu'on suit, qu'on aime, et qu'on décide d'aimer. Oui, on pourrait faire de la télé un instrument utile, un instrument qui pourrait apprendre des vraies choses aux gens. Mais pourquoi on ne le fait pas ? Parce qu'on préfère la facilité. Et les poètes, les intellos, les écrivains pourraient présenter des livres et le font, mais c'est quelque chose d'assez rare et épisodique. Mais ils décident de ne pas le faire la plupart du temps. Pourquoi ? Parce que s'ils avaient fait comme Pier Paolo, ils seraient mis de côté en fait. Personne ne parlerait d'eux. Et c'est pour ça que c'est la condamnation de Paolo d'avoir été toujours contre le système, contre le système de la télé. Et aussi de se poser contre aussi à ce qu'on appelle le dieu argent. Pierre Paolo n'a jamais fait des films qui pouvaient plaire aux personnes, aux gens, au public. Il faisait des films parce qu'il faisait à lui, en fait. C'était une démarche tout d'abord intellectuelle de sa part. Et il a toujours été critiqué pour ses choix. Pierre Paolo a fait beaucoup de films. Il a commencé à faire le tout premier film à Catone, le deuxième Mamma Roma. D'abord, il écrivait, il a continué à écrire aussi, mais il avait besoin de transformer, de donner une image à ces mots, aux mots qui écrivait dans ses textes. Il avait cette nécessité qui lui imposait de faire des films. Et chaque film que Pier Paolo a conçu et réalisé, c'était un film contre le système. A toujours été un film contre le système et a toujours été condamné par le système. Pier Paolo avait des défauts. Effectivement, il n'était pas hypocrite. Il n'était pas conventionnel. Il n'acceptait pas les compromis avec le système. Et je pense que c'est justement cette force incroyable de cet homme qui l'a rendu extraordinaire, qui m'a fasciné. Pier Paolo a eu 32 plaintes. On a porté plainte 32 fois contre Pier Paolo. Informez-vous, lisez, cherchez sur Internet, cherchez dans les livres. Il a reçu 32 plaintes. Et il a toujours été blanchi. Il n'a jamais été condamné par ça. Il est toujours sorti... pur comme il était en fait, même si il subissait continuellement en fait ces accusations de la part de tout le monde, dans n'importe quel contexte, qu'il s'agissait de films, de livres, de textes, d'actions, de propos et aussi tout simplement de vie. Je me souviens une fois, il était parti avec un ami au Circeo et en rentrant du Circeo, il s'est arrêté faire de l'essence tout simplement.
Et donc la personne qui était, il a fait des essences, il a vu la personne qui était là, et après il est reparti, il a payé, il est reparti. Le lendemain, en fait, il a reçu plante, parce que d'après cette personne, Pier Paolo s'est présenté avec un pistolet, et il a inséré un projectile en or dans le pistolet, en disant à la personne, je vais te tuer. Proiettile d'oro. Proiettile d'oro, l'ho detto. Aveva detto. Tenere che il proiettile in fait était un or, était doré. Et donc il a été. Le mec a porté plainte contre Pier Paolo parce que Pier Paolo voulait l'argent, il m'a accusé, il voulait me tuer. Il m'a dit donne-moi l'argent ou te tue. Je sais pas si c'est bon. Cioè, voglio dire, questo era cioè Pierpaolo, nel senso che lui scriveva quello che pensava e purtroppo Pierpaolo non veniva preso per una persona un po' folle, un po' un matto, ma chi è quest'uomo che si permette, che osa dire certe cose? E io ho tradotto da me perché è un uomo coraggioso che non ha paura di essere preso come una persona, diciamo, legata a un sistema che lui non lo era, non voleva essere attaccato a un sistema, diciamo, politico, voleva essere se stesso, e quel se stesso purtroppo veniva punito. E in tutto questo qua, poi alla fine, quello che voglio dire è che su tutti i suoi film, no? Pierpaolo descriveva sempre quelle cose, diciamo, che riguardano un po' ritornare un po' indietro, no? Perché vedendo che il sistema politico in generale, cioè l'industria, il consumismo, prendeva piede in un modo così violento, lui ancora era legato al contadino, alla semplicità, a ritrovare quelle persone ancora vere, che hanno il loro pensiero. Perché secondo Pierpaolo, cioè questo qua non portava a un benessere mondiale, ma una catastrofe. Questo era il pensiero di Pierpaolo. Allora lui si rifugiava a raccontare queste storie, ma con molta leggerezza, ma non solo leggerezza, ma con una grande intelligenza, Lui, quando è stato nel 73 che ha fatto Il fiore delle mille notte, ma l'ha fatto, dico, perché proprio col piacere, la piacevolezza di fare un film dove raccontare ancora le favole. E Pierpaolo su quel film in particolare, non nel Decamerone, nei racconti di Canterbury, ma in particolare sul Fiore delle Mille Notte, perché sono favole. Cioè credeva ancora a quel modo di raccontare, di tornare un po' all'innocenza, no? Alle certe verità vere. Pierpaolo non cercava... E adesso non per contraddire quei film di Fellini che il personaggio deve essere bello. Pierpaolo voleva la persona vera, non costruita, quella che era, cercava il linguaggio, che poi il linguaggio si è perso, perché ognuno tende sempre in qualche modo a parlare in italiano. Invece Pierpaolo credeva sempre ai dialetti. E lui su tutti i film, su parecchi film, ha usato i dialetti di quelle persone che recitavano il film. E questo qui è tutta una ricerca, è un modo come un altro per entrare nel mondo vero, contadino. E questa, secondo me, è la grandiosità di questa persona qua. E purtroppo a questo Pierpaolo, come ripeto, è stato violentemente, diciamo, accusato. Sempre denunciato, e ogni cosa che faceva gli davano addosso come se fosse. E oggi a me quello che mi fa un po' rabbia, dico la verità, quelli che allora lo contraddivano, beh, ci abbiamo avuto un grande
poeta, un grande scrittore, un grande regista, è me coglione, è me coglione. Prima no, prima me coglione. Scusa me. Allora ci fosse parla. Sì. Come da dire, coglioni come da dire? Je vais vous expliquer. Jouer, excusez-moi. Donc, voici la personne que Paolotti était une véritable personne qui s'opposait au système. Il écrivait ce qu'il pensait, il s'infiltre, il exposait sa pensée d'une façon extrêmement jamais nuancée. Ça, c'est l'homme que j'ai rencontré. Et avec mes mots, moi, je le définis l'homme, un homme courageux. Pierre Paolotti, un homme courageux. Pierre Paolotti n'avait peur d'être l'homme qu'il était. Et il n'avait peur de montrer la personne qu'il était. Il n'a jamais voulu être rattaché à un système, peu importe de quel système il s'agissait, que ce soit un système politique, un système culturel, un système économique. Il s'opposait à tout type de système. Il voulait éviter justement de rentrer sous l'influence d'un système. Et justement pour ce choix, il a été puni. Il a été puni par les systèmes. Tous ces films décrivent et évoquent quelque chose qui se rattache à une période, à des périodes qui sont lointaines, qui sont perdues, qui sont oubliées. Sa volonté était celle de plonger dans le passé. Et donc c'est pour ça qu'on voit souvent des films où on évoque des paysans, on évoque une certaine simplicité et on montre des personnes vraies qui n'existaient plus déjà à l'époque quand Pierre Paolo faisait ses films. Lui, il ne cherchait pas à créer quelque chose de l'ordre du bien-être, hein, que ce soit visuel ou intellectuel, mais il voulait décrire une catastrophe. Il voyait la catastrophe. Et pour éviter de plonger dans la catastrophe, il se réfugiait à raconter des contes, des fables avec légèreté, naïveté et beaucoup d'intelligence, donc aussi cette contradiction, encore une fois. Notamment dans Les Mille et une Nuits, plus que dans les autres films de la trilogie de la vie, donc le Décaméron et les contes de Canterbury, notamment dans ce film, on voit sa foi dans les contes, dans les fables. Les Mille et une Nuits, plus que les autres deux films que je viens de citer, était un film avec des épisodes qui décrivaient des véritables fables. Et ce monde des fables était le monde que Pierre Paolo voulait ramener en fait à la vie. Parce qu'on voyait des personnes vraies. Il s'opposait par contre à voir des visages beaux, lisses, merveilleux. Il préférait en fait la vérité des visages qui parfois étaient aussi un peu violentes. Et Pierre Paolo ne cherchait pas la beauté, il cherchait la vérité du langage. C'est pour cette raison qu'il il plongeait aussi, la plupart de ses personnages ne parlent pas italien, okay, ils parlent les palois, les dialectes, ou des langues oubliées, ou des langues régionales. C'était justement pour montrer aussi la vérité de langage de ces personnes et de ces contes. C'est pour ça qu'il esquissait justement ce monde. Il voulait rentrer en contact avec ce monde, c'est pour ça qu'il plongeait dans le passé de cette,
de cette démarche cinématographique. Et justement pour ce, ce choix, qui est un choix aussi politique, il a été accusé, il est pendé pour tout ce qu'il disait, tout ce qu'il faisait, tout ce qu'il produisait était une possibilité de critique. Il y avait une possibilité de polémique suite à chaque création de la part de Pierre Paolo. Et aujourd'hui, les personnes qui ont critiqué Pierre Paolo dans les années de sa vie, en fait, notamment dans les dernières années de sa vie, ce sont justement les personnes qui aujourd'hui disent « Ah non, mais notre amitié, mais Pierre Paolo, etc. On avait une amitié très intense, je l'aimais beaucoup, il m'aimait beaucoup, je le respectais beaucoup. » Justement, ce sont personnes qui sont peut-être hypocrites. Et moi, là, justement, à la fin, c'était Mekoyoni. Alors, Mekoyoni, c'est une expression régionale romaine. La traduction littérale est Mekoui, qui montre une sorte d'étonnement et aussi de jugement face à la personne. Quoi. Va te faire. Quoi. Ninetto, no, 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 e ha detto che non gli sto rendendo la vita facile, ma io fa vedere una persona carinissima, guarda, io mi devo scusare, non so come che fare. Sai che io quando vedi, io ne parlo con sorriso perché, come ho detto già prima, non voglio parlare in... No, non scrive. No, non scrive. Non scrive, no. Il m'empêche d'écrire, donc. Che purtroppo io sono stato talmente, sono ancora legato a questa persona che onestamente a me ce l'ho dentro di me. Ce l'ho dentro di me perché comunque è una persona che io mi ha seguito per anni, ci siamo frequentati per anni, abbiamo fatto 9 film insieme e voi potete immaginare quanto ne abbiamo passate con Pierpaolo. E cioè, secondo me non basterebbe una vita per parlare di lui, perché io ho tante cose da raccontare. Oh, posso dire una cosa? Visto, per non rubare troppo tempo... Ah, ma io sono come lui, è gelosa. Per non rubare troppo... Esatto. È gelosa, è gelosa. Non voglio... Non voglio rubare troppo tempo a questo racconto, ma devo dire 2 cose che mi hanno davvero colpito in questi giorni e che mi ha detto Ninetto. La prima è che... Lui effettivamente ha, questo è una cosa che mi ha colpito molto, una dignità rispetto a questo momento che io non avevo mai incontrato, nel senso che quando si è parlato più volte in alcune occasioni, è vero c'è il centenario di Pierpaolo Pasolini, ma lui ha sempre portato una dignità e una verità che non è facile da incontrare e tra l'altro in Italia purtroppo in questo momento molto meno, anche perché la situazione non è tanto diversa dagli anni 70-80, possiamo dirlo. E questo te lo devo perché ho trovato veramente il desiderio di non essere retorico. Questa è una... E la seconda cosa che voglio assolutamente dire, perché non voglio togliere tempo a questo momento di scambio, è il fatto che a me ha colpito moltissimo il fatto che dopo la trilogia della vita, e molti di voi l'avranno vista, che portava in scena questa sensualità, la gioia, la vitalità di Ninetto, insieme ovviamente al racconto poi letterario che portava in scena dal Decameron e racconti di Canterbury e Pasolini, c'è stato un momento, una frattura, che è quella di Salò e poi anche di Porno Teocolossal, che mi è stato compiuto, comunque è stato riscritto da Citti con i Maggiorandaggi, in cui in qualche modo qualcosa lui è scattato e in quel qualcosa, soprattutto nel primo film, in Salò, che poi noi abbiamo visto postumo, lui ha deciso di non inserire Ninetto, perché Ninetto, l'hai detto ieri, è una cosa che mi ha colpito molto, Ninetto sarebbe stato il primo ad essere ucciso per il carattere che aveva in Salò, perché Salò è un film sulla l'atrocità, è come se in quel momento veramente la frattura fosse ormai insanabile
e Ninetto non fosse più presente in, quella, in quel film. Vero. Io l'ho trovato incredibile. Ho detto quello che è, insomma, è così, è così. Alors, elle disait justement qu'elle est très jalouse parce que elle n'arrivait pas à en placer une, elle n'arrive pas à en placer une, effectivement. Quello di prima. Ma l'ho segnato. Ah, l'ho segnato. Sapete, stavo. No, ma non mi stai aiutando, assolutamente. No, assolutamente. No, lui, devo dire, lui. Encore une fois, désolé si je crois, quand je commence à parler, je parle beaucoup, je suis très bavard, je ne m'arrête pas, mais c'est comme ça quand je parle de Pierre Paolo, en fait, je m'arrête plus. C'est quelque chose de... Tout m'évoque un monde, en fait, des souvenirs très, très émouvants, et donc désolé à tout le monde si je suis comme ça, je suis explosif. Mais cette personne, en fait, elle y a énormément de souvenirs personnels. Et Pierre Paolo, je le porte encore avec moi. Il est à moi tous les jours. Je pense toujours à lui. Imaginez, en fait, on a tourné 9 films ensemble. En fait, 9 films. Imaginez le nombre de choses qu'on a vécues et qu'encore aujourd'hui, en fait, j'évoque. Il nous suffirait une vie, 1000 vies pour évoquer, pour essayer d'épuiser, en fait, tous les sujets et tous les souvenirs que j'ai avec Pierre Paolo. Irénée voulait plus que poser de questions, en fait, le remercier encore une fois de la personne qu'elle est et aussi évoquer deux choses, notamment la première, en fait, souligner la dignité de cet homme, notamment par rapport à ce moment historique, mais ce moment aussi de centenaire de Pierre Paolo. Retrouver les souvenirs, évoquer les souvenirs, parler de Paolo n'a jamais été facile et ça n'a pas changé, en fait. Aujourd'hui, en fait, la situation politique culturelle italienne n'a pas beaucoup changé par rapport aux années 70, 80, donc on est encore là. Et Ninetto montre, en fait, qu'il n'y a aucune rhétorique, en fait, dans son discours et dans la description de ses souvenirs. Et la deuxième chose qui est quelque chose qui a évoqué hier pendant la présentation de Mille et une nuits à Ozola, après la trilogie de la vie, qui est une trilogie axée sur la sensualité, sur la légèreté, sur la joie de vivre, notamment de Ninetto et des autres acteurs, en fait, il y a eu une véritable fracture suite à la Mille et une nuits. Et avec le tournage de 2 films, Salon, où les 120 journées de Sodome, et Porno Théo Colossal, qui n'a pas été finalisé, était après retravaillé par Chitty. Mais Salon, c'est le film posthume de Pier Paolo Zolo qui sort, en fait, juste après sa mort. Et ce film, elle a évoqué hier pendant la présentation, Pier Paolo tenait à ne pas faire participer à ce film, à ce tournage, Ninetto. Pourquoi? Et ça, c'était très beau. Et donc, je le répète à vous aujourd'hui ici. C'est parce qu'en fait, Ninetto, et c'est Ninetto qui l'a, et c'est Pierre Paolo qui l'avait dit, si je t'avais permis, en fait, de tourner dans ce film avec ta légèreté, ta naïveté, ta simplicité, ta vérité, t'aurais été le premier à être tué, donc, parce que Salope parle de l'atrocité du monde, l'atrocité de la violence des personnes, donc toi, tu ne pouvais pas en faire partie de ce film. Ninetto, a piacere, lo dico perché, di aprire anche se avete voglia, se perché se avete voglia di fare, chiedere qualcosa che magari vi incuriosisce, io sto qua, insomma, ecco, fate voi, se vi va, lo facciamo, se no vado avanti con Fabrizio. Potrebbe parlare 2 ore. Anche di più. Allora, Ninetto, aimerei, en fait, laisser un petit temps d'échange avec vous, si vous le souhaitez, si vous voulez poser des questions, si vous avez des curiosités. Sinon, en fait, on peut continuer à discuter avec Fabrizio tranquillement pour les 2 prochaines heures. Sì. Allora, che vuoi qualcosa?
Vous avez une question? Non, non. Alors, tu. Vous avez une question? Chiedi che ho mangiato oggi. Qu'est-ce que j'ai mangé aujourd'hui? Oggi mi sono mangiato, guarda, una bella bistecca con delle patatine fritte e un bel bicchierone di birra fresca. Ed è stata fenomenale lì alla piazza. Deterrò. Fenomenale. Allora, bella giornata, bellissima. Qu'est-ce que j'ai mangé aujourd'hui, Ninetto? J'ai mangé un bistec avec des frites. J'ai bu aussi une bonne bière fraîche sur la place. Comment elle s'appelle, la place Eterno? Allora, vabbè, andiamo avanti. Allora, io quello che volevo dire, insomma, che Pierpaolo è stato... Ah, tu? Ah, meno, ecco qua. Ti dico, ho preso per secondo, come primo piatto. Sempre carne che mangiamo, sempre stesso. Vuole sapere che cosa ho mangiato come plat? No. Giù. Attends, via. Sì. Prima la persona. D'abord la première, non? Il n'y avait pas une personne? Alors, come ha reagito proprio quando venne a sapere che Pier Paolo Pasolini dunque non l'aveva preso per l'ultimo film per interpretare nel Salon? Comment vous avez réagi quand vous avez su che Pier Paolo vous avez pas choisi pour tourner dans un Salon? Ma devo dire che io non l'ho presa male, no, assolutamente no, perché conoscendo Pier Paolo, conoscendo le sue idee, conoscendo il film, insomma mi sembrava anche giusto, perché caratterialmente, come sono fatto io, ero contrario proprio a quel sistema razzistico, no? E come ho detto prima, dico, mi avrebbero ucciso subito, perché io sono reattivo, io reagisco, perciò è inutile che entro nel film che proprio mi uccidono. E secondo Pierpaolo non ero il tipo, e poi non la permetteva la faccia. Ninetto non può far parte di quel contesto, ed era giusto, ancora una volta è giusto, più ancora una volta Pierpaolo aveva ragione, e io ho detto va bene, e infatti io mi sono limitato a fargli, diciamo, da assistente, ad aiutarlo come l'ho fatto sempre su tutti i film, intendiamoci, quando io non facevo l'attore con lui, o facevo l'aiuto regista, o che mi aiutavo le comparse, o andavo a cercare le macchine, o gli animali. Sull'Emilia Notte non vi dico che casino, nello Yemen che casino, guarda, che casino. Non solo la mia parte, non solo quello che facevo io, come attore, tra virgolette, vuol dire. Ma dovevo aiutare Pierpaolo a sistemare tutte le comparse, tutti gli animali, tutti i bambini, i cani, le galline, io mi travestivo, mi mettevo in mezzo la mischia, no? In mezzo le comparse, e mi nascondevo in qualche modo con i baragani, cose, a spingere le persone a fare quello che chiedeva. No, mi detto, oh, mandalino da dell'aio, sì, vabbè, andate, vabbè. Che poi non si capiamo perché erano arabi, io ero romano e li spingevo con le mani, insomma, ma devo dire che insomma è stata veramente una fatica, però poi alla fine del lavoro per poi era soddisfatto, stanchi, morti, perché giravamo in mezzo al deserto e era veramente faticoso, però soddisfatti. Io vedo Pierpaolo contento alla fine della giornata, e questo era bello, è bello perché andavamo, che una volta stavamo ritornando a Provassana, stavamo camminando, percorrendo una strada, diciamo in mezzo al deserto, due strade battute, no? Talmente contento Pierpaolo, lui portava la macchina, io stavo vicino a lui. E a un certo punto talmente contento che Pierpaolo si mise pure a cantare. Si è messa anche addirittura come appassionato, proprio, e no perché, con gli occhi chiusi. E a un certo punto stava spandando anche la macchina, ma prova, fermati, no! Oh! Cioè, per farvi capire, delle volte la felicità, no? Della persona che fa una cosa che gli piace, che è soddisfatto, e devo dire che quei momenti lì mi piaceva molto, perché mi piaceva e io ero molto contento. Stavolta è stato conciso. Conciso, sono stato molto conciso.
Alors quand vous avez réagi en fait quand vous avez su que Pierre Paolo vous avait pas choisi pour le dernier film Salon, je l'ai pas mal pris, au contraire, connaissant Pierre Paolo, ses idées, l'amitié qui nous liait, c'était le bon choix. Je crois que c'était vraiment le choix correct de sa part. Parce qu'il me connaissait très bien, mais moi j'étais absolument contre ce système raciste qui était présenté dans ce film. Pierre Paolo le savait très bien, et comme il avait dit, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, on m'aurait tué tout de suite. En fait, le premier première scène, on serait débarrassé des mois. J'avais surtout pas, oui, le caractère, mais le visage ne se prêtait pas en fait à ce type de film. Mais malgré tout, j'étais sur le tournage parce que j'étais bien présent en tant qu'assistant. Il faut dire aussi que je l'aidais toujours à Pierre Paolo sur tous ses films. J'étais là, j'assistais, je l'aidais. Donc même si j'étais pas un acteur, je faisais partie de son équipe. Je l'ai toujours aidé. Et notamment, j'ai un souvenir en ce qui concerne l'époque du tournage de Mille et une nuits. Je vous passe les détails du véritable bordel que ça pouvait être, en fait, ce film dans le désert, en train de tourner avec énormément de monde, des enfants, des langues, on ne se comprenait pas. Je sors le traducteur. Mais je l'aidais, j'ai aidé notamment pour faire avancer. Que ce soit les figurants, il y avait énormément de figurants, que ce soit les figurants ou les moutons en fait, j'étais travesti, j'étais caché, donc j'ai poussé, allez-y, allez bougez. Et seulement que parfois c'était pas évident, parce qu'en fait moi je parlais italien, je parlais romain, donc là c'était une autre langue, donc c'était l'arabe où il y a plusieurs langues, donc la compréhension n'était pas évidente. C'était une véritable tour de force, on était fatigué, tout le temps fatigué, hyper fatigué. Imaginez en fait tourner dans le désert tout le temps, plusieurs semaines avec la chaleur, mais ce qui rendait justice en fait à tout ça, c'était de voir Pierre Paolo heureux. Il était heureux tout le temps, en fait. Il était fatigué à la fin de journée, il était heureux. Et je me souviens notamment une fois quand on était en train de rentrer de Sanaa, il était tellement content et tellement fatigué qu'il s'est mis à chanter avec un chant passionné, et voilà. Là, je ne vais pas traduire, il a chanté tout à l'heure, donc voilà. Et il était tellement à fond dans ce chant qu'on a failli en fait sortir de la route et se tuer en fait. Parle, en fait, fais attention, okay, chante, ok, bon d'accord, mais regarde un peu la route. Il y avait une question ici. Non, moi c'est une question plutôt simple, c'était pour savoir au final, vu que vous avez eu une collaboration plutôt fructueuse, quel est le film que vous avez fait ensemble qui vous a le plus plu et qui a évoqué le plus de choses qui pour vous sont importantes et intéressantes. Est-ce que vous avez une collaboration très fructueuse, comme Pierre Paolo, quel est la fine du film plus belle qu'il y a? Ma forse perché il primo, non lo so, sai, puoi lavorare lui ha detto chi mi appassiona di più, quale film, è vero? Capisce, lo spieghiamo tutto. Moi je m'abuse beaucoup, je ne sais pas si vous l'unico perché comunque a me mi ha appassionato perché comunque era il primo film vero ed è stato appunto quello che vedrete stasera, che è Uccellacci Uccellini. Io ero ragazzino, avevo 16 anni
e tu pensa, a 16 anni mi viene proposto di fare, sai che intanto ti voglio dire che prima di Uccellacci Uccellini, prima di questo film, Pierpaolo mi fece fare una piccola parte nel Vangelo secondo San Matteo. Che? Allora, attendi. Intanto ti voglio dire che io non volevo fare l'attore, perché per me fare l'attore è una cosa fuori dal mondo. E Pierpaolo mi impose di fare questa piccolissima parte nel Vangelo secondo San Matteo, che io non volevo fare. No, Pierpaolo, ma io mi vergogno. Ma no, René, guarda che ti diverti, è una cosa molto bella, molto carina. Dico, ma no, ma io mi vergogno di stare di fronte a una telecamera. Ma dai, cioè, ma poi, insomma, ma devo parlare? E dice, no, non devi parlare. Dice, devi stare lì, zitto, e fare quello che ti dico io. Guarda qui, guarda là, sorridi. Ma dico, se è solo questo. Insomma, mi ha convinto e l'ho fatto. Una piccolissima parte. Successivamente, l'anno dopo, mi propose di fare un film vero, che è Uccellacci Uccellini, quello che vedrete stasera. Che io lì, da priori, ho detto, no Paolo, io non lo faccio perché mi vergognano, poi devo parlare, io non mi ricordo neanche quello che ho mangiato ieri, no. Mi vergogno, non lo posso fare. Dice, ma no, Ninetto, vedrai che ti diverti. E dico, ma no, ma io non lo faccio, cioè non volevo farlo perché veramente mi imbarazzava, che dovevo imparare le battute a memoria, tutte queste cose. Ma non ti preoccupare, Ninetto, ti aiuto io. Insomma, alla fine mi fa, dice, guarda Ninetto, che ti pagano, eh. Ho detto, mi pagano. E dico, vabbè, noi parliamo del 65, 1965. Io vivevo ancora nelle periferie romane, in borgate, lavorava solo mio padre, eravamo sei in famiglia, fatica per andare avanti. Insomma, dice, guarda che ti pagano, eh. Dico, ah sì, che mi danno? E dice, non lo so, te danno 700, 800, 1000 lire. Dico, che mi danno? Che allora 700.000 lire era una cifra enorme. Io ho detto, vabbè, allora che devo fare? con chi devo lavorare? Dice, devi lavorare con Totò. Ma Totò, quello del cinema. Dice, sì, è lui. E io non capivo, dico, ma mi pagano, mi danno dei soldi per lavorare con Totò. Mi sembrava assurda questa cosa. Perché io Totò andavo a vederlo al cinema, vuol dire, mi piaceva come comico, cioè mi pagavano per lavorare con lui, ho detto subito, vabbè dai, diciamo, e abbiamo iniziato. Non ti sto a raccontare il primo incontro perché diventerebbe lungo e complicato per lui, l'incontro, l'impatto con questo grandissimo attore. Però devo dire che insomma, i primi giorni mi sono trovato un po' in difficoltà perché mi trovavo di fronte a un mostro del cinema, insomma, e mi piaceva, di fronte a Totò, insomma, era una bella cosa per me, era proprio bella. Questo è durato per una settimana, poi ho detto tra me e me, ho detto ma chi se ne frega, sembra mio padre, mi sembrava mio padre come si comportava. E poi da allora, dopo 10 giorni, una settimana, 10 giorni, abbiamo iniziato a lavorare, ci divertivamo e siamo andati per 2 mesi a fare questo meraviglioso film che vedete stasera. Lei non batte le mani? Lei non batte le mani, signora? Come mai? Ma che sta pensando di farmi una domanda per caso? Vous applaudissez pas parce que vous êtes en train de réfléchir à une question à poser à... Non me la fa, Non. Vous allez pas poser une question tout à l'heure? Non. Okay.
Alors, le film auquel je suis le plus lié, qui m'a plus passionné en fait de travailler avec Paolo, c'était très probablement en fait le premier film que j'ai tourné avec, avec lui, le film que vous allez voir tout à l'heure, Uccella Uccelli, des oiseaux petits et gros. Oui, évidemment, c'était le premier film, donc il y a ça aussi qui rentre en jeu dans ma réponse, dans mon choix. Et il faut imaginer aussi que j'étais très jeune, j'avais 16 ans, et Pierre Paul m'avait proposé de tourner une scène avant Uccella Uccelli, avant des oiseaux petits et gros, une toute petite scène dans notre film, L'Évangile selon saint Matthieu. Et moi je dis non, Pierre Paul, non. Le mot acteur, ça ne me ressemble pas du tout. En fait, pourquoi tourner, pourquoi jouer dans un film? Non, absolument pas. Et il dit courage. Mais qu'est-ce que je dois faire en fait? Bah, tout simplement, tu ne dois pas parler. Tout simplement, tu dois sourire, regarder à droite, à gauche et faire ce que je t'ai dit. Et tu ne vas pas parler. Ah, bon, d'accord. Alors, si je ne dois pas parler, j'avais honte, mais ok, bon, si je ne dois pas parler, c'est bon. Et donc, on fait cette petite scène. Dans l'évangile. Et après, l'année d'après, Pierre Paolo encore, il me propose de tourner, mais cette fois-ci, un véritable film. Et non, Pierre Paolo, non, j'ai vraiment honte, non, il faut que je parle, non, t'as vu comment je parle, je ne parle même pas italien, je ne parle pas toi, donc non, laisse tomber. En plus, j'ai pas beaucoup de mémoire, il faut que j'apprenne par cœur la réplique, je suis pas très doué pour ça. Non, laisse tomber, j'ai honte. Laisse tomber, je me souviens même plus ce que j'ai mangé hier. Donc imagine si je vais me souvenir de toutes les répliques que j'ai à dire. Et bien, Pierre Paolo me dit, mais tu sais que t'es payé. Ah bon, donc je vais être payé pour répéter des répliques. Oui. Ok, il faut s'imaginer à l'époque, on était en 65, je vivais avec ma famille, comme je vous disais tout à l'heure, en fait, dans la banlieue romaine. On était 6, il y avait que mon père qui travaillait. Ok, bon, d'accord, Pierre Paolo, c'est vrai, il me paye combien? Je sais pas, à peu près 700, 800 000 lire, qui représente, c'est un peu compliqué, beaucoup d'argent pour l'époque. Il faut imaginer 400 euros, mais dès l'époque, en 65. Et ok, bon, alors quand il m'a dit 700, 800 000 livres, ok, qu'est-ce que je dois faire? Il faut répéter des répliques et travailler avec Toto. Toto, celui du cinéma, Toto, celui qui fait le film, lui, Toto. Ok, Toto, c'est une figure mythique, comique italien, donc pour moi, travailler avec Toto, c'était incroyable. C'est-à-dire, mais laisse-moi comprendre, en fait. Je vais travailler sur un film, on va me payer, et on va payer pour travailler avec Toto. C'est ça, ce que tu es en train de me dire. Oui, c'est ça. Je ne vous raconte pas, en fait, la rencontre, la toute première rencontre avec Toto, parce que ça pourrait poser des problèmes de traduction à Fabrizio et aussi prendre beaucoup de temps, donc je pense que la séance est aussi décalée, mais c'était incroyable. La toute première rencontre, tout le moment en fait, que j'ai rencontré Toto, c'était comme assister à une rencontre avec une bête de scène, c'était quelqu'un d'extraordinaire. Et au bout d'une semaine, je me suis dit, on dirait mon père, on dirait un peu mon père, donc voilà. Qu'est-ce que j'en ai à foutre, en fait, de tout ça, en fait. Donc, je me suis dit, allez-y, c'est bon. Et ça a été une des périodes les plus belles de ma vie. J'ai passé 2 mois incroyables avec toute l'équipe, avec Pasolini et Toto, et ça a été incroyable. Alors. Lei ha lavorato molte volte con Toto. Penso al film La Terra Vista della Luna, ad esempio. E volevo sapere giustamente se Pasolini ha scelto Toto per la sua faccia, perché incarnava la verità. A me piacerebbe anche sapere l'incontro con Toto, giustamente, come era lavorare con lui. Non so se si capisce bene di quello che ho detto. Io ho capito perfettamente. Allora, vous avez travaillé beaucoup, beaucoup de fois avec Toto, notamment, je pense, au court-métrage La Terre vue de la Lune.
Et d'après vous, en fait, Toto, Pasolini a choisi Toto pour, parce que son visage incarnait la vérité ou pas. Et justement, moi, je voulais savoir cette rencontre, si vous pouvez au moins évoquer cette rencontre avec, avec Toto. Et alla prima domanda, no, Pierpaolo ha scelto Totò perché Totò era uno che rappresentava, diciamo, una certa generazione di gente, cioè semplice come me, un puro, un vero, perché Totò era un semplicione, e non era un, come si suol dire, lo chiamavano il principe di Curtis, no, lui era principe, diciamo, di animo. Di persona, perché Totò era un umile, veramente un umile persona, non era una persona, come voglio dire, acculturata, ma era una semplice persona, e questo qui ha fatto modo di allacciarlo e accoppiarlo insieme a un innocente come me. Eravamo due simili, voglio dire, per quanto riguarda, diciamo, i personaggi e anche come persone, perché Totò era un semplicione, era una, molto semplice, non era uno, ripeto, uno di quelli, lui faceva, usava degli atteggiamenti, ma solo perché aveva acquisito il, diciamo, il principato di essere un principe, no? Ma lui, ripeto, era un principe di animo, di persona. E questo qui a Pierpaolo piaceva molto, questo fatto di accoppiare queste due semplici persone, perché Totò comunque è uno che ha vissuto nelle, diciamo, nei ghetti napoletani, anche lui era uno che faceva il guitto, ha cominciato a fare il guitto nelle, diciamo, nei dintorni di Napoli, nei ghetti di Napoli. Io magari non facevo il guitto, ma facevo il guitto a modo mio nelle periferie borgate romane. Cioè Pasolini, voglio dire, che ha accoppiato delle persone semplici. Quello che poi in fondo, ti voglio dire, quello che in fondo Pierpaolo ha sempre cercato nei suoi film, cioè mettere e accoppiare le persone che ancora hanno c'hanno quel senso ancora di umiltà, di semplicità, di avere il senso ancora di ritornare agli origini, no? Agli origini che tutti quanti noi, diciamo, in un certo qual modo abbiamo perso. Posso trovare? No. No, non ho capito se mi ha fatto un gesto di basta, no? Non ho capito. Già approfitto. No, ho capito. Ok, va bene. Donc pour répondre à la première question, en fait, le choix de Totò a été fait par Pasolini parce que Totò représentait toute une génération de gens simples, en fait, un peu comme moi. On était un peu différents, mais on avait beaucoup de choses en commun. Totò n'était pas véritablement le prince des Curtis comme parfois, en fait, les gens le décrivaient, ou lui aussi il évoquait cela, mais il était véritablement une personne simple, humble, et pas très cultivé, donc c'était quelqu'un d'extrêmement très simple. Et le fait de le coupler avec moi, ça a été un choix de la part de Pasolini qui était très, très juste. Donc on s'est retrouvés, on était deux personnes simples, qu'on pouvait travailler ensemble sans problème. Oui, Totò avec le temps, avec l'expérience, avait des attitudes un peu d'acteur, aussi parfois il évoquait ce rôle de prince, ce titre de prince qu'il avait, mais moi j'ai vécu le Totò avec le vrai Totò qui était quelqu'un de très populaire, en fait. Un peu comme lui, moi j'ai grandi en fait de la banlieue romaine, lui il a grandi dans les quartiers défavorisés de la ville de Naples. On était peut-être un peu différents, on a grandi différemment, on a eu des expériences un peu différentes, mais finalement on était deux personnes très, très simples. Donc le fait de coupler, en fait, ces deux acteurs, ça a été très juste, très correct de la part de Pasolini. Quello che stiamo concludendo dicendo che comunque Pierpaolo ha sempre andato alla ricerca di queste persone semplici. Diciamo un po' il ritorno alla naturalezza e il comportamento delle persone, quello che in fondo amava Pierpaolo, questo è.
e ha trovato un connesso tra me e Totò, cioè vedendo queste due figure come due persone che veramente che rappresentano un certo tipo di mondo, no? Che stava, secondo Pierpaolo, ed era vero, stava scomparendo anche su Uccellini. Ma purtroppo Pierpaolo era contraddittorio al sistema, diciamo, consumistico, non c'è niente da fare contro il sistema, Pierpaolo era contro. Allora voglio dire che lui in qualche modo andava alla ricerca di questo mondo che stava scomparendo. Ecco, questa qui è la conclusione di Pierpaolo in quanto riguarda, diciamo, il suo modo di fare. Poi, non so se devo rispondere, tu mi hai detto come l'incontro di Totò, tra me e Totò, è un po' lunghetto, però se te lo abbrevio, se volete, se no lasciamo perdere. Allora, io, come ho detto, abitavo nelle periferie romane. Vuoi tradurre intanto questo? Tutto finito. Finisci questo e poi... E donc, c'était ça le choix de Pierpaolo de coupler ces deux personnes et pour créer une sorte de compromis de personnes, créer un équilibre de ce film. Et je trouve que le choix de Pierpaolo était un choix obligé par sa volonté d'évoquer un monde qui était en train de disparaître. Et c'est justement... C'è la faccio. La faccio. Non ce l'ha più. Non t'ha detto. Vinto. Il ha gagné, il ha gagné la rentrata di maggio. Donc Pierpaolo était contre le système de la culture tel qu'on le voyait, et Linette dit souvent contradictoire, c'était vraiment contre le système, peu importe en fait le système, et il détestait détestait les compromis. Donc il n'avait aucun compromis, j'ai descendu à aucun compromis avec personne, notamment avec le système. Et pour la rencontre avec Totò, si vous voulez, je peux l'évoquer, mais ça va prendre des heures, donc on peut essayer de synthétiser cette rencontre, à vous de choisir. Vous voulez? Sì, allora, quello che volevo dire è che io abitavo nelle periferie borgate romane e la fame era tanta, tanta fame. Allora, quando Pierpaolo mi propose di fare questo film, e che io non volevo fare, cioè mi convinse di andare a casa di Totò per conoscerlo. Allora che succede? Che io mi sono messo il meglio del meglio, che poi ero capelli neri, brici, tutti, un par di jeans, insomma, non strappati, però insomma ero normale così, insomma. E Pierpaolo invece era vestito con un vestito... la cravatta, perché insomma andava a parlare con un attore che doveva fare il film. Allora che succede? Mi viene a prendere nella periferia, dove abitavo io, nelle borgata, nelle casette, e mi viene a prendere e arriviamo a questo quartiere che era i Parioli, che per me arrivare ai Parioli, dico, i Parioli, ma grande, fece qui un quartiere elegantissimo, ma bello. C'era un portone alto quanto casa mia dove abitavo. Insomma, sono rimasto molto colpito da questa cosa. Allora che succede? Che Pierpaolo suona, si apre questo portone, prendiamo l'ascensore. E io ho detto, papà, ma questo che è? Cioè, questo è l'ascensore. E io ho capito, perché io abitavo alle baracche, a casa piccola. E poi dentro questo ascensore c'era un divano. Un divanetto con ricoperto con un velluto rosso, e dico, ma io non ho capito, ma uno entra dentro l'ascensore, spinge il pulsante e sta in piedi,
spinge, si mette a sedere. Cioè, come non capivo come vuoi, è un divano dentro l'ascensore. Non capivo questa cosa qua, non riuscivo a capire. Dice, ma sai, Rinetto, dice nelle case eleganti, dice, si usa questa cosa qui, dico, vabbè. So, siamo arrivati nel pianerottolo. Che succede? Nel pianerottolo, prima di suonare, Pierpaolo si mette a posto la cravatta, come si fa, no? Si mette a posto così. Io non sapevo che fa perché c'avevo così. solo così potevo fare. Suona, chi ci apre? Totò. Con una vesta, una vestaglia rossa cardinale, con due pompon. E poi cercare di immaginare, io quando mi sono trovato di fronte a un personaggio così, mai visto, ho cominciato a sbottarrire a crepapelle. Pierpaolo si è imbarazzato perché dice Ninetto, mi faceva così Ninetto. E ha detto no, invece è stato carino, ha detto, dice Pierpaolo, lascia stare, un ragazzo. Siamo entrati dentro e che vedo un'apparizione, una tavola tutta bandita, ma mi sembrava di sognare, vi giuro, sembrava di sognare, con i candelabri, fiori, poi una tavola rotonda, e insomma dove stavamo seduti noi c'avevo tre piatti, tre, uno piccolo, uno grande così, un altro un po' più grande e un altro un po' più piccolo. Poi, bicchiere grande, bicchiere piccolo, forchetta, forchettina, cucchiaino, cose qua. Io ho detto a Pierpaolo, dico, ma quanti devono mangiare? Dice, Rinetto, dice, questo è tutta roba per te. Ho capito, ma a me serve solo una forchetta. Perché allora io a casa mia la carne non la mangiavo mai. Allora ero abituato a prendere così, strappare e mangiare. Ero abituato così. Insomma, fatto sta, ci ho avuto un po' di problemi per mangiare. Tanto sta che Pierpaolo... No, finisce tutto il racconto. È finito, quasi finito. No, è non credo. Non, pardon, si sur più bello. Non, la parole, sinon, c'est compliqué aussi pour moi. Il faut s'imaginer qu'en fait, à l'époque, moi j'habitais dans la banlieue romaine, comme je vous disais, et donc Pierpaolo me dit, il faut aller rencontrer Toto. Donc il vient me chercher à la maison avec sa voiture, et... Moi, j'ai essayé de me mettre sur mon 31, mais j'avais pas grand-chose, donc j'ai essayé de tirer les cheveux en arrière, de m'habiller de façon plutôt propre. Pierpaolo arrive, il est hyper élégant avec sa cravate, tout. Bon, d'accord, okay, bon, c'est pas le même niveau, mais c'est bon. Il vient de me chercher dans la banlieue et on va au Palioli. Palioli, un quartier très élégant de la ville de Rome. Et pour moi, c'était incroyable. Ouais, Palioli, incroyable, j'ai jamais vu ça, c'est merveilleux. Donc on arrive, on se garde devant là, chez Toto, et je reste très impressionné en fait, notamment par le portail énorme. Je dis, waouh, j'ai jamais vu ça, mais c'est quoi ça? C'est un portail. Okay, mais après, il y a un hall d'entrée, bon, d'accord, ça fait la taille de ma maison, c'est incroyable, c'est énorme, j'ai jamais vu ça. Et donc, on rentre, on traverse le hall, et on arrive, et il appuie sur un bouton, et les portes s'ouvrent, et on rentre dans l'ascenseur. Et puis, qu'est-ce que c'est ça en fait? C'est un ascenseur. Ah, d'accord, c'est un ascenseur. Bon, d'accord. Et je regarde autour de moi et je vois il y a un fauteuil, une sorte de canapé, petit canapé, un velours rouge. Je dis, mais... Et Pierpaolo appuie sur le bouton pour qu'on monte, pour que ça surmonte. Et je regarde le canapé, il dit, mais Pierpaolo, normalement quand on monte avec un ascenseur, soit on reste debout, soit on reste assis. C'est un peu bizarre en fait ça. Oui, mais il faut comprendre chez les gens élégants, chez les riches en fait, on n'a pas comme les autres, il y a aussi des petits fauteuils dans les ascenseurs. Bon, ok, bon, je comprends pas trop ça, mais c'est bon, on arrive, les portes s'ouvrent et on arrive sur le palier. Donc avant de sonner à Toton, en fait, alors
Pierre Paolo retrait sa cravate. Moi j'essaye, mais j'en ai pas, donc je ne peux pas. Je tire un peu mes cheveux en arrière, comme ça, voilà, c'est tout. Et donc on sonne, voilà, et qui ouvre? Ah ben, c'est Toto. En fait, il arrive, il ouvre, c'est lui, quoi. Et je le vois. Et je le vois, et il nous accueille avec habillé d'une veste rouge, bleu, justement comme Carmen. Et moi je le vois, et j'ai jamais vu ça de ma vie, et j'explose de rire. Donc dès dans Toto, j'explose de rire. Et je m'arrête pas. Et je vois que Père Paolo est un peu voilà, dérangé par ça, tout en comprenant en fait, donc il réagit pas mal, mais j'aurais pas m'arrêter en fait. Donc, et Pierrot dit Minetto. Voilà, j'ai comme ça. Désolé, mais regarde en fait comment il est habillé. Finalement, on rentre. Et devant moi, c'était une sorte d'apparition, table incroyable. Hyper élégant, avec des bougies de partout, des fleurs, de la bouffe de partout. Et donc, je m'assieds, je regarde devant moi et je vois des assiettes. Ça compte, trois. Donc, une petite assiette, une moyenne et une grande, trois assiettes. Je regarde autour de moi, il y a un verre, deux verres, trois verres. Et après, bah, j'ai des fourchettes, des couteaux, des cuillères, des petites cuillères. Et moi, je pose la question à Père Paolo, mais... Combien de monde doit manger en fait à cette place-là en fait, hein. Et toi en fait, c'est ta place, ok, bon d'accord. Parce qu'il faut comprendre qu'en fait, j'avais pas trop l'habitude. Je vivais dans la banlieue romaine et moi j'avais une fourchette. Déjà, j'avais pas l'habitude de manger de la viande, donc quand on m'a mis quelque chose à manger, en fait, tout simplement, je le déchirais avec ma fourchette. Et là, devant moi, j'avais tout ça et je savais pas trop comment faire. Et je me posais la question, mais à quoi ça sert en fait tout ça? Poi in questo antipasto c'era anche delle olive, che io con sta forchetta non riuscivo a prendere, tum, saltava e mi sono trovato in difficoltà e Pierpaolo mi ha detto, Ginetto, ti aiuto io. E infatti Pierpaolo mi aiutò a prendere l'oliva, a tagliarmi il prosciutto, cose, insomma, io quello che tagliava, mi trattava come un neonato, perché non sapevo adoperare il coltello io, tutto qua. Insomma, finiamo di mangiare, e la Franca Faldini, che era allora la sua donna, dice, Ninetto, dice Pierpaolo, Antonio, dice, sediamoci nel salotto così a prendere un caffè e definiamo il lavoro, il film che dovremmo fare. Insomma, a un certo punto ci mettiamo nel salotto, Totò su un divano, tutto bello, comodo, Pierpaolo pure, e io a un certo punto volevo imitare loro, ma non ci riuscivo. Non riuscivo perché non era una mia abitudine, dico, certi atteggiamenti. Insomma, alla fine abbiamo parlato del film e siamo andati via, cioè Totò ci ha accompagnato alla porta, ha chiuso e siamo andati via. Che succede? Che dopo un po' di tempo la Franca Faldini, la sua donna, ha scritto un libro, che sta sul libro della Franca Faldini, ci siamo incontrati, mi ha detto Cerinetto, ma tu ti ricordi quando sei venuto a casa nostra? Dico Franca, certo che mi ricordo, ma tu non sai cosa ha fatto Totò. Che ha fatto? Quando vi ha accompagnato alla porta e siete usciti, Totò ha chiuso la porta, si è messo a correre come un pazzo, allo sgabuzzino ha preso l'antiparassitario e l'ha spruzzata dove stavo seduto io. E questo qua è stato l'impatto diciamo, con questa meravigliosa persona, con Totò, che devo dire, sono non felice ma strafelice di averlo conosciuto e lavorato con lui. Ci sei? Mai. Et donc on commence le déjeuner et on commence par l'entrée. Et moi j'avais pas trop l'habitude de manger déjà des olives, donc avec ma fourchette j'essayais de prendre des olives et j'y arrivais pas, donc elles sautaient un peu de partout. Et Pierre-Paul, vous voyez que j'avais quelques petites difficultés avec
avec les olives, avec le repas en général. Donc il m'aidait avec les olives, il montrait Ninetto, on fait comme ça, voilà, avec la fourchette. Après, il m'aidait aussi avec le jambon. En gros, il s'occupait de moi comme si j'étais un bébé, ok. Mais voilà, donc, finalement, on arrive à manger, à se nourrir. Et à la fin, en fait, de notre repas, Franck Faldin, qui était sa bonne, nous a annoncé le moment du café, en fait. C'est sa femme. Et la sua compagne, Franck. La compagne di Totò. Ah, la compagne, pardon, la compagne. La sua compagne. J'avais compris la sua compagne. Merci beaucoup. Merci. Oui. Mais heureusement, c'est le public. Je vous dis qu'elle est là pour m'aider parce que lui, il ne m'aide pas du tout. Merci. Merci. Donc, sa femme, ta compagne, nous annonce le moment du café. Donc, on se met dans le salon et je vois, en fait, nous annonce Antonio, Pierpaolo, Ninetto, voilà, c'est le moment du café. Donc, on visite dans le salon, on s'installe et je regarde un Toton qui s'installe, il se met à l'aise. Ok, bon, d'accord. Voilà. Très, très élégant. Pareil, Pierpaolo, moi, j'essaye de mettre à l'aise comme eux, mais je n'arrive pas parce que je n'ai pas l'habitude de mettre à l'aise physiquement comme ils faisaient eux, donc de m'installer comme ils faisaient, bon, d'accord. Et finalement on parle du film, et à la fin du film, Toto nous accompagne à la porte, on s'est dit au revoir, voilà, donc voilà, et on part. Voilà. Quelques années plus tard, en fait, je rencontre Franca qui me dit « Est-ce que tu te souviens quand tu es venu en fait, nous rendre visite, parler avec Antonio du film ?» Ah oui, bien sûr, je me rappelle de ce moment, c'était un souvenir impérissable. « Eh bien, tu sais pas ce qu'il a fait, Toton, Antonio, après en fait, que vous êtes parti, dès qu'il a fermé la porte. » « Ah bon, qu'est-ce qu'il a fait, en fait, après mon départ ?» Il a couru comme un fou, il a traversé toute la maison. Et il est allé chercher du spray anti-mite. Anti-parasite. Je vois les occhi. Il croyait que j'avais des poux. Donc voilà. Donc imaginez un peu ma réaction à ça. Grazie, Ninetto. Grazie, Fabrizio. Allora, ci sono altre domande, perché Ninetto ha davvero piacere di scambiare dei momenti col pubblico. Eccola lì. Ciao! Ciao! Allora, on va prendre une dernière question, parce qu'on me dit qu'il va falloir conclure. Donc, c'est vous qui me posez la dernière question. Eccoci. La faccio in italiano anche perché mi sa che siamo vicini, io sono di Centocelle, vabbè. È una domanda proprio diretta a Ninetto Davoli in quanto attore. È una delle persone, secondo me, del cinema italiano, dei rarissimi attori che sono rimasti puri. Abbiamo parlato prima di purezza, di semplicità, nonostante i 60 anni di carriera, e perché il cinema poi alla fine ti cambia un po', volente o nolente. E oggi c'è un po' la tendenza nel cinema italiano, certo cinema borghese, invece a imitare il proletariato, andando a cercare dei dialetti, ma poi si vede che è tutto, che è finto, che è posticcio. Ninetto Davoli è lui, è vero, è autentico. La mia domanda è un po' come ha fatto, nonostante tutti questi anni, anche credo i film che ha fatto, gli hanno portato dei soldi, l'hanno portato a conoscere degli ambienti, eccetera. Come ha fatto a restare così puro, così autentico, e si sente, l'assicuro, si sente veramente che è così, senza cambiare, senza inquinarsi, direi. Allora, Come ti chiami? Angelo, come ti rispondo? Je crois qu'on est voisins parce que moi je viens de Centocelle. La question était dirigée vers Ninetto, l'acteur Ninetto. D'après moi, vous êtes un des derniers acteurs restés purs. On a beaucoup parlé tout à l'heure de pureté, de légèreté, de simplicité, malgré 60 ans en fait, de carrière.
Il y a une véritable tendance à l'intérieur du cinéma italien contemporain, que je définirais comme bourgeois, d'essayer d'imiter le populaire, d'imiter le prolétaire. Et ma question est très claire, très dirigée vers le netto acteur. Comment vous avez fait, malgré toutes ces années, en fait, à rester si authentique, si pur, sans changer, sans vous abîmer, en fait, abîmer ce netto? Allora, io allora ho parlato a uffa, perché mo te venga al dunque. Cioè, io, ma brevemente, ma io ho conosciuto Pierpaolo. Ho capito il suo modo di essere, la sua ideologia. E capendo questo qua, Angelo, perché mi devo far stravolgere da quel sistema che Pierpaolo era contrario? Non mi intacca a me il sistema, anche se voi non vuoi sono coinvolto anche io. Però ci sono dei momenti, dico, quando sto per conto mio, e che mi viene complicato quando esco fuori da casa, che dico... Bene, preparati, va, esci da casa perché c'è un mondo da affrontare che non è tuo. Questo è il problema mio. Però sta tranquillo che il mio interiore è rimasto lì netto, perché sono stato amico di Pierpaolo, di questa grande persona. Questa persona che c'ha avuto il coraggio di andare contro un sistema, contro, diciamo, le brutalità, le ingiustizie della vita. Ed è stato sempre punito a questo. Ma poi perché devi cambiare? Perché ti potrebbero cambiare perché guadagni dei soldi, perché c'hai successo, perché la gente ti conosce? A me mi fa piacere, ma non mi intacca mentalmente. Io voglio essere me stesso e io credo e voglio rimanere sempre me stesso. Angelo, alors je parlais pour rien en fait. J'ai connu Pierpaolo, j'ai rencontré Pierpaolo. J'ai connu et j'ai eu la chance de comprendre ses idées, son idéologie, comment il était Pierpaolo. Il était contre le système et ce système-là ne me touche pas, ne me fait pas changer. Bien sûr, c'est compliqué quand je sors de chez moi. Tant que je suis chez moi, en fait, je sais comment je suis et ce système ne me touche pas. Quand je sors, bah, c'est un peu compliqué, effectivement. Mais je ne vais pas changer, je reste moi-même. Pierpaolo était contre le système, contre tous les systèmes. Il était contre le système de la mocheté, de la vie. Et pourquoi changer, en fait? Pour l'argent? Non, je ne veux pas. Je veux rester moi-même. Merci. Netto non può che parlare da solo. No, nel senso positivo. Lui parla con le sue azioni, con l'essere, con la presenza. Proprio la sua... È attore in questo, nella sua continua presenza per... davvero. Ma tu mi conosci anche a di fuori di qua. M'hai visto fuori? No? Assolutamente. Sei così. Sei come la... Lo devo dire perché c'è questa sequenza, la sequenza del fiore di carta, in cui lui attraversa Roma ed è se stesso. E mentre attraversa Roma succedono delle cose durante la storia. Però lui continua in questo percorso e io trovo che sia proprio il modo, sì, davvero il doppio di Pierpaolo Pasolini. È come se lui in te ha visto una sorta di gemello che in qualche modo ha portato nella vita quello che forse lui avrebbe voluto non vivere soltanto nella rappresentazione. Io sento che i film che ha fatto con te hanno veramente attraversato il suo modo di pensare la vita e tu sei riuscito a restituire quella purezza in ogni percorso. Quindi è davvero un viaggio della vita. Donc,
Je voulais te remercier et dire que j'ai pas grand chose à rajouter, tu vois, rien à rajouter en fait, parce que Ninetto suffit à lui-même en fait, peu importe la description qu'on peut en faire de lui en fait, ses actions, son être suffit à lui-même. Je te remercie beaucoup de ça. Il faut que je raconte cette chose, on en a parlé hier soir. Il y a une scène dans le court-métrage, la séquence de La fleur à un papier, où Ninetto traverse la ville de Rome. En fait, il se promène dans la Via Nazionale de Rome, il traverse Rome et il ne fait pas grand-chose, mais en fait, il y a des choses qui se passent en fait, autour de lui. En fait. Tout simplement, le fait de traverser la ville provoque des choses. Et c'est exactement comme t'es dans la vie, en fait. J'ai eu la chance de pouvoir connaître le Ninetto au-delà de Ninetto de Fine Pasolini. Mais pour moi, t'es véritablement le double, le jumeau de Pier Paolo. Tu incarnes ce que Pier Paolo ne pouvait pas mettre en image. Donc, tu as comblé l'image avec ta présence et ta personnalité. Alors, on va retrouver. Avrei, se fosse per me, avrei parlato per tanto e tanto ci sarebbe da raccontare, però non vi voglio lasciare di non perdere questo gusto di vedere questo film bellissimo stasera, questo è fra un po'. Sì, c'était per me, en fait, j'aurais continué pendant des heures, en fait, il y a plein de choses à dire encore sur tout ça, en fait, sur ce film, je préfère en fait vous laisser avec ce merveilleux film de ce soir.